Et accessoirement, il a été finaliste du championnat du Japon, il a participé à différents championnats du monde, vient de l'acquisition d'un kanai correct, et en ayant confiance dans ce que vous pouvez frapper à partir de cette position. Déjà délivrer des bonnes frappes correctes hein, avec le sens du tranchant de la lame. Et à partir de ce moment-là, ça voudra dire que au moment de l'impact, pam, vous êtes arrivé. Comme vous pouvez voir, ils sont pas tous les mêmes. J'ai même poussé le disque jusqu'à gonfler différemment les ballons de volée qui sont les mêmes. Voilà. Hein, pour que la sensation soit différente à chaque fois. Donc, voilà. Et d'arriver à frapper. Suffisamment profond, pas forcément fort, suffisamment profond pour provoquer un rebond, suffisamment relâché pour ne pas rester complètement collé au sol. Ici. Is one things when which I do and after the opponent has a le semer avec un déplacement et le semer avec la pointe du sable qui de par son action induit une certaine menace et le semer de son qui s'aimait, c'est-à-dire le semer de son énergie, de ce que l'autre pouvait pressentir de notre capacité à délivrer une frappe immédiatement. À comprendre le plus rapidement possible ce qu'il voulait faire. Donc une fois qu'il y a cette interaction, cette compréhension à ce moment-là, il n'y a plus que le travail que mes petits camarades ici ont expliqué. Non mais il faut travailler avec le vent. Chacun ici, c'est fait. Quand on fait les subori, hein, c'est là qu'on travaille le kiai aussi, dans les subori. Men, ça ne veut rien dire ça. Là, je parle ici. Men, c'est pas pareil. Ça vient d'ici, ça ne vient pas de là.